Salut princesse. Gardez-moi mon Dieu, tiens. Gardez-moi. Tu n'as pas pris le bon princesse. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont des princesses, donc voilà. La chaleur va me tuer. J'attends sur le 17e. Rendez-vous est pris, la veuve est là. La veuve joyeuse au 17e. Ah, voilà ça, je suis là. Je suis debout, debout. Debout, debout, voilà 17e ici. Mon quartier. Tu dis quoi? Je suis là, Ngossa. Tu connais, si viens garer, je t'attends. Et t'attends au 17e, Ngossa. Et j'ai mis mes chaussures. Et t'attends, je ne sais même pas si tu vas aller chez Président Moto aujourd'hui. J'ai fini avec toi aujourd'hui. J'en ai marre de ta gueule là. Viens, Ngossa. Ngossa est où? Je vais t'attendre jusqu'à 2h du matin. Tu as fait à la veuve. Pas de gnoc-gnoc. Et t'attends. Est-ce que tu connais l'entrée sinon? Et t'attends ici. Quand vous êtes dans vos Facebook de merde là, vous parlez aux gens forts. J'ai fait 26 ans de France, tu dis que quoi? Quand tu m'interdis le 17e, tu es la mère du 17e. Quand tu te prostitues de merde. Je suis la veuve joyeuse. Comme tu es une grosse, la chancelière de mes fesses, je t'attends ici. Tu vas me sentir. Il fait trop chaud, mes amis, c'est comme ça. La jalousie. Je te dis, plaisir, moi, je suis désolé. Hein. C'est parce que j'ai venu dans ta soirée là. Je t'ai dit. Parce que moi, c'est déjà dit que si j'ai fini, c'est mieux. Dans mon quartier, une petite sévère bagarre comme toi, tu m'as dit, j'ai fait 26 ans d'Europe. Tu avais trouvé ici, 17e. Tu mangeais ici dans les restaurants, tu dormais ici partout, on te baisait, les petits femmes te baisaient partout. Tu dis que tu m'interdis jusqu'à aller t'asseoir, tu vas m'interdire 17e. Oh. Je t'attends ici. Je te dis, ne bouge pas. Je m'en vais. Après, je m'en vais te chercher partout. Dans tous les restaurants là. Quand vous les filles par ça, vous avez la bouche là. Je vais te montrer que je suis une fille pour 200 maintenant. Vous allez appeler pour ça. Je suis ici. Je suis à debout, debout. Avec la chaleur si. Je pars chez Président. Moi je suis loin. Celle-là, c'est loin à Loisy, c'est trop loin pour moi. Tout est en taxi, on ne peut pas aller là-bas, il y a l'embouteillage. Je ne peux pas aller pour aller là-bas. Je vous dis, ça c'est un cadeau pour elle. Comment elle veut, elle adore seulement arracher les perruques des gens. Vous voyez, non? Voilà, ça c'est une perruque. Je lui fais un cadeau de cette perruque. Comme elle a tellement envie de perruques, j'ai choisi une petite perruque pour elle. Comme ça qu'elle va venir faire souvent comme ça. Chaque est pareil. Partagez la vidéo aussi, comme ça vous dites que je suis déjà à l'attaque, je suis en pause d'eau. Je suis en pause d'eau. Je me bats pour mon honneur, pour mon gouvernement de joie, c'est tout. Moi je ne manque pas de respect. Ah bon, hein? Voilà. C'est le plus grand sujet que vous pouvez imaginer.
Est-ce qu'il m'énerve ce que la façon qu'elle parle ça souvent? Je t'interdis avec ces longues ongles de sida là. Je t'interdis de venir au 17ème. Tu peux m'interdire quelque chose quelque part, toi? Tu serais à la mairie de Paris? Moi, je vais t'interdire 200 mètres de moi avec la police aujourd'hui. Tu vas faire quand je donne quelque part, tu n'entres pas là-bas. Vous devez entendre qu'il y a des lois en France. Elle parle de sa cause de plus à conduite là. Les petites merdes qui la suivent là disent que oui quoi. Quand c'est les lois de la France, elle parle, je suis là, viens seul et tu mets les gants. Moi je n'ai pas de sida. Ouais. Quand tu te donnes une raclette, tu vas dire que non. Vous aimez trop parler. Elle a réveillé qu'elle m'a trouvé ici, la meuf qui est là. Feu! Ngosa, tu peux intimider qui à Paris? Tu peux intimider qui à Paris, Ngosa? Tu es qui? Tu es qui, Ngosa? Tu peux intimider qui ici? Tu m'as trouvé dans mon quartier. Hein? Quand il vient, je dis que je l'attends ici. Je suis prête. Ah. J'ai dit que jusqu'à ce que son cou sorte, les fins de son cou vont sortir ici avec moi. Dis donc. Vous voulez votre sale buzz là, vous avez alors quoi? Hein? Vous avez quoi? Le buzz de mes fesses. Le Facebook de mes fesses. Une vraie haineuse bien au t'attends. Le rigolo que je m'agite pas, c'est depuis hier que je m'agite. Tu attends donc. Quand la bêtise la parle là-bas, tu parles de pourquoi ça chute là-bas. Je m'agite. Pourquoi on fait comme ça? Je n'agite pas pour moi, j'ai peur d'elle. Elle l'a réveillée que je suis là. Elle va faire shut up avec moi. Vous avez vu, j'ai mis ça. Shut up, ma marque, c'est un petit gars du Douala qui fait ça. Shut up, c'est lui qui fait ça. Ça, c'est shut up. Donc, ça va fermer sa bouche avec moi. Comme ça, ces petites bordettes, ces petites épinelles là, les petites salles très mal là, qui sont dans la salle, qui la baissent, là, les touches, plus là, partout là, vont savoir. Attends, il faut bien parler aux gens, hein. Ma poignon. Un pauvre de rien. Je suis chez toi ici, tous les femmes sont là. Les gens qui t'ont fait ça, tu sont là. T'ont fait ça, tous les autres sont là. Ils vont venir te trouver ici. Regarde-moi cette chienne là. Je peux plus dormir ici après. Moi, je vais te battre, je suis ton enfant. Même ta petite fille là que tu fais, qui vit chez toi là, elle va te battre un jour. Toi-même, je vais te battre. J'ai mis le shot. Voici le shot. Pourquoi le shot? Ah. Vous voyez ça? C'est grave. Pouchak. Quand je bats, vous connaissez quoi? Hey, Gossa. Hey, Gossa. Gossa, viens, tous les femmes sont là. Les chauds femmes sont au rendez-vous. Ils t'attendent ici. Je suis prêt, Gossa. Comme Gossa. Gossa. J'attends pour ça. Bien. J'attends pour ça. Elle est en plein tournage. Elle est en plein tournage. Je suis de l'équipe de Facebook. Elle est en plein tournage. Ah, la dique. Ah, mes amis, j'ai fait. Je suis en plein tournage de clips, donc. Vous ne me dérangez pas. J'ai tourné mon film. Sauf qu'on ne nous paye même pas pour ça. C'est gratuit. Quoi c'est tout là-dedans? Ricky. Motivez-moi. J'attends qu'on soit ici.
J'ai amené, voici ta perruque. Ngosa, voici ta perruque que j'ai amené. Comme tu aimes trop pas les perruques des gens, là, voilà ça. C'est moins cher. Voilà. J'entends mon taxi, ma mère. J'entends mon taxi, ma mère. Comme tu vas me battre de là, mieux je finis avec elle. Mieux je finis avec elle. Ah. Bon, ici on est à debout. C'est dimanche, on mange le tarot. Donc ça c'est la plaque tournante du tarot à Paris. Debout. C'est quoi 9 rues quoi? C'est quoi 9 rues? 9 rues Guy Boquet, hein? Je suis un 9 rues Guy Boquet. Hein? Donc ceux qui veulent venir manger le tarot en attendant la bagarre. Non, avec moi ne tape pas derrière. Si elle me tape pas derrière, pourquoi elle tape fort? Ah, dis donc. Elle va battre qui? J'attends le battement ici. Même avec que ma dernière fille se couche ça comme ça. Elle met les gants parce qu'elle a le sida. Je veux pas que le sida me touche. Je suis une femme fraîche. Je suis pas une boucanée. Donc voilà. Et les femmes qui sont dans cette salle, la personne qui est partie avec Ngosa aussi a attrapé ça. Je vous dis d'abord. C'est comme ça. Donc voilà, hein. J'attends. Elle est enceinte. Ah, ça tombe bien. Mais en bagarre qu'on est enceinte. Très bien, non? Je vais lui mettre, regardez ça. Dans son ventre, la porte va sortir. Comme ça, elle va sentir ce que j'ai senti. Vous avez entendu que les gens sont méchants ici dehors. Quel bien bagarré, non? Mais elle prend même des mots là où? Tu sens une petite fille qui a été battue par son père, par les amants de son père quand elle était petite, hein? C'est dit? Je vous suis. Mais une heure, c'est un problème. Moi, ça, oh, je veux te battre, oh, je veux te battre. Donc voilà. On attend ça, attend ça. Maintenant, on m'a dit, 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 on m'a dit,
On a fait un mal, mais tu prochais toujours pauvre, tu n'as rien à dire. Voilà. Ouais. Elle attend, elle aime trop. Non, elle est trop. Tu sais, moi, ça aime bien, mais elle aime trop montrer qu'elle est fière d'elle. Moi, je veux lui montrer que je suis une fille boule de 100 millimètres. Chez nous, on est fiers. On n'a rien dans la bouche, mais on est fiers par la bouche et par les mains. Je vous m'en parle d'attendre tout ça. Et tous les jours, quand j'ai le temps, je viendrai. Tous les jours, quand j'ai le temps, je viendrai. C'est trop. Tous les jours, je veux te battre. Ça veut dire quoi? Attends, on dirait qu'elle est une homme. Tu as déjà battu qu'on a vu. On est à Madagascar ici. Pauvre va. Tu sais, les filles qui ont gardé dans les quartiers difficiles. Mon papa était commandant, hein. Pauvre chienne. Les attends, ils sont du 7e. Les attends ici. Et la police à côté, hein. Amène tes papiers de maladie là, hein. Que moi, je suis comme saine. Regarde-moi ça ici. Elle m'interdit. Tu m'interdis Paris? Ah, madame de Grémont? Vos maris que vous achetez là partout là, avec vos papiers, là, avec les noirs, là, vous voyez des dangers. Je me suis marié au Cameroun. Hein. Mes enfants sont nés au Cameroun, français. Hein. Petite pétasse de merde. Si l'an 2000 te dit quoi là-bas, l'an 2000. Vous allez me sentir, vous tous. Je suis là, je suis déjà m'énervé là, je vous attends. D'abord, même, il fait bien être trop chaud. Je vous attends ici. Je vous dis d'abord même. Je vous attends ici. Dis donc. Je n'ai pas plus chez Amot. J'ai fini de changer avec mon sexy. Dis donc, quand vous allez manger dans vos histoires de négro là, dans vos petits bars là, putes là, dans vos histoires, vous allez danser là, vous me voyez là-bas. Mon gros ça. T'attends ici. La chaleur va me tuer ici. La chaleur de ça. Avec les fribons dans le ventre ici. Vous devez attendre ici que Bakaba Jonah. Yen Sango, ça va te donner une barrette. Une raclée. Comment je m'entends? Non, c'est un cadeau pour Ngossa. Tu sais qu'elle voulait pas la pulling de fleurs de Lille. On l'a récupéré, donc j'ai pas de fille sexy. Ça fait partie, comme c'est la mode, c'est de l'inter, les perruques blondes, c'est la mode. Et elle n'est pas la mode avec les perruques blondes, vous voyez, non? Ma chérie, je suis à la mode avec les perruques blondes depuis des années. Hein. J'ai pris ça pour Ngossa, pour le fruit, ça. Ngossa, c'est pour toi. Essaie de toucher. Je vais te montrer que je suis une folle. Je vais attendre, je suis une droguée, non? Je vais te montrer que je suis une puits droguée. Pour le maintien. Alors, quelqu'un reste chez elle. Quand je commence à consulter l'immeuble au Cameroun, vous êtes là à Facebook, vous tuez les gens à Facebook. Shut up. Ngossa, shut up. Tu as vu? La marque shut up. C'est qui fabrique la marque shut up? Je la porte avec fierté. Ouais, on te ferme la gueule, pas ce qu'on dit là, pour ça. Je tombe sur toi. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, vous voyez que c'est quelqu'un. Tu es une personne, toi, comme ça. Oh, une petite, elle est mince, comme ça. Comme tu sens le sida qui a rongé les os partout. Elle vient parler la veuve. Fais quoi? Tu me vaux? Hein? Nous, on est arrivé en France à l'époque des francs français, pas à l'époque des euros. Les pauvres machins. Toi, mais tu es arrivé à l'époque des francs, je te reconnaissais. Tu avais alors quoi? Tu as quoi? Tu as dit que j'ai les carabots. J'ai reçu une femme qui vit dans les carabots. Ta gueule va. Poufias va.
Et quand il a réveillé, je l'attends ici, il fait trop chaud ici. Il fait trop chaud. Elle m'interdit de 7e. Maman. Pourquoi ça shut up. Le cul de ta sale chienne de mère, d'accord? Ça, c'est mon mur, je l'insulte parce qu'elle est sidéenne. Et si tu n'es pas content, et si tu dégages, d'accord? Tu entends, non? Je l'insulte sidéenne. Ce n'est pas toi que j'insulte. Je ne te connais pas, tu es un faux profil, je ne veux pas te connaître, d'accord? Quand elle m'insulte drogue, elle m'a vu prendre la drogue, et même si j'ai pris la drogue. Hein? Elle me connaît où? Vous me connaît? Elle parlait de moi. Elle est qui? Elle est quoi? Elle est de mon connerie, elle est de mon sac, toute la deux balais. Elle va me dire la plus près. Je ne peux pas, Coco. Elle nous égaye la journée. Je ne la peux pas. Elle reste là, Coco va rester là. Mais regardez comment j'ai insulté sa chienne de copine. Tu es malade, toi? J'assume mes actes. Ngoza a le sida à point. J'ai dit. J'ai tué mon mari. Et que moi, j'ai tué mon mari. J'ai tué mon enfant dans le banc des aimants là. J'ai fait une fausse couche avec la Facebook. Oh, j'ai tué mon mari. J'ai tué mon enfant. J'ai égorgé mon mari. Non. Alors, il faut qu'il assume ses actes. D'accord? Pouvoir assumer ses actes. Et la bloque même, mieux qu'elle part même. On doit dégager ici. Tu ne veux rien. Bye. Je l'ai bloqué, elle est partie. J'ai bloqué. Et vous êtes continué. On lui dit RIP. Mais c'est marrant ici à Facebook. On m'insulte depuis des années. J'ai tué mon mari. J'ai égorgé mon mari. Tu égorges un blague. Tu n'es pas en prison. J'ai fait une fausse couche. J'ai tué mon enfant. Vous êtes normal là? Vous êtes pas dans ma tête? Si moi je fais comme ça, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi la preuve? Je suis au 17e, debout. Tu m'as trouvé ici, toi. Tu viens me commenter que je ne. Tu dis à Facebook que je ne dois pas venir au 17e. Une négresse de merde. Je suis comme la route qui passe chez les bassins là-bas. Avec ton cul comme l'autoroute qui passe chez ta putain de sale chienne de grand-mère. Tu viens parler à qui? Imbécile. Alors, quel est le problème là? Est-ce que vous voulez pas? Je suis assez clair. Pour ce schéma jeu, il ne faut pas laisser les joueurs. Et Seigneur, debout, n'importe qui moque. On mange le tarot, le condré, tout ce qui est bon ici. Et puis la bière est bien fraîche. Vous voyez comment la femme joyeuse boit, non? La vie est très bonne ici. Je vous dis, il y a le Japap. Il y a les femmes ici qui ont baisé avec un gossa. Ils sont tous là. Ils ont tous le sida. J'ai parlé, tapez-moi. Salut. Parce que ici, à face, quand on est sous la veuve, on est direct. Et quand la veuve s'assoit sur quelqu'un, ça devient des problèmes. Je suis là. Je dis que tu viens faire, ne viens pas avec. Au tarot contre. Au tarot contre. Mais j'ai déjà dit, non, que je suis au tarot contre. J'ai fait la publicité, je n'ai pas encore la publicité. Comment vous donnez alors quoi manger? Si tout le monde mange le tarot, moi je mange quoi? Et donc, je dois tout le temps dire tarot contre. Je suis au tarot contré. On a fait de dire, ok, Paris 17e, chez Alain. On mange le tarot contré ici. Oui, mais je suis là. Je suis là. Si je n'arrive pas chez Précis là-bas, je reste ici pour attendre un ça. Trop, c'est trop. Je dis, je veux te battre, je suis ton enfant. À 42 ans, me bat. Bonne histoire. Quand vous rêvez, quand vous avez fumé vos filons de cocaïne, de Nkula, les filons de Bangala, vous rêvez ici à Facebook. Hein. Viens, je t'attends ici. Quand un mensonge dirait de. Quand tu as pas même fait pitié.
Le Facebook nous lave beaucoup. Le Facebook nous lave tout. J'étais amené une perruque blonde. J'étais amené une perruque blonde parce qu'à ce moment, tout le monde a les perruques blondes, sauf toi. Parce que hier, quand tu es là dans la soirée, là, hier, hein, tu n'étais pas belle. Il fallait mettre une perruque blonde. Et maintenant, c'est édition blonde, limitée. Tu vois? Voilà ça. Hein? Blonde. Comme tu veux les perruques, je t'amène une perruque. Elle s'agresse à moi comme si elle s'agressait pas à son enfant. Il faut d'abord accoucher, hein? Il faut accoucher. Ma première fille va avoir 23 ans. Deuxième 19 ans, deux belles filles métisses. Je vais mourir pauvre un jour. Les sales connaissent comme ça. Je t'ai amené une perruque. Une perruque, j'ai amené une perruque blonde. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas à la page. Hein? Tu n'es pas à la page, tu n'es pas à la page. Moi, je suis à la page. Quand tu savais personne à Yaoundé et à Assemblée, tu sais pas. Assemblée, tu sais avec personne. Comme à Yaoundé. Nibakin. Dis là-bas, Yangaye, va. Tu vas parler, c'est toi, j'attends. Je parle, je bavarde ici. Je l'attends. C'est même quoi ça? Un endroit que j'ai grandi sur le 17e. Je suis venu ici en face à quel âge? Étant marié, hein? Pas de gnoc gnoc. Quand elle faisait le banditisme dans le sous-quartier là-bas à Madagascar, moi j'avais déjà mon café à quoi, hein? Le site café, à quel âge? 19 ans. Regarde les petits pauvres gens là. On arrive ici en France, si vous venez manquer de respect aux gens. Quand mon mari vivait, vous pouvez me parler, vous? Quand monsieur Degrément vivait, qui peut me parler ici à Paris? Elle dit, j'étais sale. Elle a les recommandations, hein? J'étais sale. Je veux te battre. Hein, Ngosa? Hein? Tout ma rancœur que j'ai sur moi, toute ma dépression que j'ai sur moi, je veux baisser ça sur toi. Je pèse ça sur toi. Va devoir battre Anouchka. Va battre Anouchka. Ta petite nièce qui t'a lavé sur toi, qui t'a mis dehors ici à faire. Va battre Anouchka, va devenir me battre moi. Yuri a gagné, pardon, laisse-moi mes histoires. Tu dis quoi? Ma veuve, on peut payer avec la crédit carte là-bas. Je ne sais pas, peut-être. T'as pas sorti de l'ordinaire, Yuri. Aïe. Je vais me tuer un jour. Non. Pas de quoi, de quoi ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Je peux avoir peur d'elle. Mais dans ce stade, je me connais, mais j'ai peur d'elle. Il fait trop chaud à Paris. Valérie snack pas, c'était moi à l'époque. Valérie snack pas à quoi? C'était comme ça. Ce que les gens ont rêvé d'avoir dans leur vie, moi j'ai toujours tout. Vous n'avez jamais rien. Mon mari et moi, je suis là, non? La veuve de Clément est là, non? Je vis, je respire. Je prends mes loyers en France. Vous prenez aussi pour tout ce que vous pouvez. Ça chaud. Vous parlez. Mais t'attends ici. Elle dit quoi? Elle est enceinte, mais c'est une bonne chose.
Quand on enseigne comme ça, quelle est ? C'est tout. Elle a dit que c'est là. Ok, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas, c'est bientôt, non. Est-ce que c'est un problème ? Elle attend, non ? Je ne sais pas. C'est trop loin et puis il n'y a pas de taxi. Tous les taxis que j'ai appelés, il y a des taxis qui m'amènent là-bas. On ne peut pas aller là-bas en train. Il y a une femme qui vient d'accoucher. Elle a son bâton dans le ventre là. Il va enlever le bâton là avec un coup de pied. Elle est quoi? Elle est assez pour mettre les bouts. Moi, je sors d'un accouchement, non? Je sors d'un accouchement. J'ai même pas encore fini de boire mes médicaments. Quitte là-bas. Moi, je sors d'un accouchement, non? Est-ce que c'est un problème? Oui, même pas. Tu sais, est-ce que c'est un problème? Elle va monter quoi? Moi, je ne me soucie pas. Moi, je suis comme qu'elle. Moi, je ne me soucie pas. Si Kat est enceinte, elle ne pourra pas venir. Mais si elle est enceinte. Comment t'oublier, frère? Si elle est enceinte, elle ne pourra pas venir. Mais si elle est enceinte, elle viendra quand même. Je la connais. Je l'attends. Parce que la maman va aller enceinte ici. Et ça va de l'eau toute là et tout ça, elle vient ici. Moi, je me suis battu dans ma vie. Hein. Je n'ai pas posé, mais j'ai fait beaucoup de pays. Hein. Avec mon époux, quand il vivait, il voulait même si j'avais des voyages. Hein. On ne me manque pas de respect, on ne m'interdit pas tel endroit. Non. On ne dit pas tel endroit. Donc voilà. Elle a vu ce qu'on fait. Anita, Belina, tu fais quoi ici? Putain. Voilà. Comment elle veut la perruque? J'ai les très belles perruques. Je sais pas si c'est joli, non? Ok, à 19h. D'accord, je vais attendre à 19h alors. On va attendre la vidéo. Ça ne sert à rien de. Donc à 19h pile. Je. Les études. Diva qui n'arrête les histoires. Si tu c'est encore quoi? Tu me commandes quoi? Si tu go, je sais pas ce que c'est. Je te dis. Parce que là, comme il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Ce qui fait que la plupart des gens ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas rester. Ils ne veulent pas faire autrement, je ne peux pas. Donc voilà. Ah! Et quoi qu'elle veut prendre une ligne tout à l'heure là, une bonne ligne. Seulement attendre que les drogués sont drogués. La drogue que j'ai accumulé depuis des années. La dépression que j'ai fait depuis des années n'a pas sorti chez moi ça. Je perds mon enfant, vous dites quoi? Parce que mon père qui est gros parce que j'ai des fibrons. Et je vais les enlever là avant d'aller au Cameroun là.
Je m'en vais au Cameroun au début, début juin. Normalement, je dois être au Cameroun parce que j'ai rendez-vous médical. Rendez-vous médical, vous me parlez de quoi là? Vous me parlez que. Non, tu n'étais pas enceinte, tu avais des fibromes. Là, je ne sais pas si vous avez quoi. Je suis quand même une femme que j'ai eu deux enfants. C'est de zoa-zoa. Mate, chopas, zoa, facochère. Même les zoas, les amours, les belles. N'est pas fini avec toi. Je vais danser, je vais aller danser comment? Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Et tous les gens que j'ai appelés, les taxis que j'appelle ne viennent pas. Je ne peux pas partir. Hein? Bonjour, Tikai. Mouf au pâté. Qu'est-ce que moi, il n'y a pas de même pas de soucis. Il n'y a 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 pas de soucis. Il Il y a 42 ans, c'est vieille. Je veux pour lui, c'est une femme à 42 ans, tu es vieille. C'est à 42 ans qu'on a même le goût de tout, le vrai goût de tout. Avant d'être stressé. Je te filme. Il y a un frère de Ngossa, je ne veux pas dire que pas ça. Ngossa, tu peux me taper ici, la tante de Ngossa. Non. Mais non, tu sais, 19h. À 19h, il fait chaud, il fait toujours beau. C'est ok, ouais. Laissez-moi que je me prépare encore bien, vous me voyez bien. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux voir là? Je me dis. La personne que ça énerve, la personne que ça énerve pas. Et puis c'est bon, debout. Chacun fait sa paire. On te tient là, t'as dans Ngossa. Ngossa. Ouais.
ça. Vous voulez qu'on change ça? Non, c'est bon. Bon, mes amis, je dois vous laisser. Parce que vous savez que... Ah, mes amis, c'est grave, après si vous voulez. C'est la peur de tous les temps. On attend vos appels. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je vais rallumer à 19h tapant. À 19h tapant. Comment vous pensez la vidéo? C'est à tout à l'heure. Elle a dit 19h, non? 19h, c'est la même place. À tout à l'heure. Vous avez rendez-vous avec Gossa. Si ça arrive avant, c'est pas grave. Vous saurez qui a tapé notre pas. Dernier tour de sport. Dernier tour de sport. Bon, comme on a dit, pourquoi tout à l'heure à 19h, merci.